Mario va être pas mal là, j'ai les petits spots. Allez, sors de là Didier, on va commencer la vidéo. Bon, salut à tous ces petits compagnons, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est une journée spéciale truite, d'accord? On va essayer de vous faire voir avec le Didier, hein, deux, trois petites techniques pour pêcher un plat truite. Bon Didier, je te sors ou je te sors, Mario là? Oh, il est pas dégourdi celui-là. Amène-toi. Oh, ah, des gaines d'américain ça. Bon Didier, il est avec moi aujourd'hui, parce qu'il a décidé de vous faire voir quelques petites techniques qu'il m'a dit. Ouais, les techniques spéciales. Ah bah Vindu, si elles sont aussi spéciales que toi, on est pas mal. Hein. Ah, il est bonnet. Bon allez, compagnons, suivez-moi, je vais vous faire voir un peu le matériel. Allez, suis-moi Didier. Allez tiens, prends ça, à voir là-bas si j'y suis. Ouais. Allez, parti. Bon les compagnons, il y a plusieurs techniques hein, pour pêcher la truite, d'accord? Bon la première c'est la pêche au leurre, hein, ça consiste juste à mettre un faux poisson dans le bout. Toi tu lances là, puis tu te ramènes, puis une fois que tu as les touches, tu fais. Bon ça c'est l'idée qui t'expliquera ça tout à l'heure, d'accord? Moi je vais t'expliquer la pêche au toc, d'accord? Alors niveau montage, tu vois tu prends un bouchon là, ça ce sera pour suivre ta ligne dans le courant. Toi je la mettrai comme ça dans le courant, comme ça tu peux savoir où c'est qu'il est à chaque fois. Là tu as un chioplon, hein, je ne sais pas si tu le vois, c'est pour bien mettre l'hameçon dans le fond, d'accord? Là l'hameçon bah, forcément c'est pour pêcher la truite. Ok, je vais te mettre deux tignes dessus tout à l'heure. Bon, je te ferai voir ce que c'est. Hein, là, je vais déplier tranquillement. Hop. Bon, faut bien déplier le lancer, faut bien le déplier droit. Hein, parce que sinon, les anneaux, après, ils sont pas alignés. Et tu te fais baiser. Hop. Celui-là, tu le mets bien droit. Alors, je te reprends un peu de fil. Tu vois. Essaye de mettre le bouchon à une bonne distance. Bon là, il n'y a pas trop de fond, toi, 50 cm, ça ira pas mal. Je vais te mettre deux chalubères dessus. Oh, bon, oh, adieu. Solide celle-là. Ah. Allô. Attends, je te fais voir, bouge pas. Allô, regarde-moi ça. Tu vois le chalubet? C'est des ch'tiottes bestioles comme ça, là. Je ne sais pas si tu le vois bien. Hop. Alors ça, à savoir, pour ta culture générale, c'est des larves de mythe. Alors la mythe, c'est une mouche. Hein. Bon, ça prend quelques semaines pour qu'elle se transforme. Mais ça, c'est bien pour ta culture générale, quoi. Toi, t'en mets deux ou trois, si t'es gourmand. Bon, deux, ça suffira, je pense. Allez, on va les tester comme ça. Hop. Alors. Bon là, tu prends un peu de mou, toi tu prends un peu de fil comme ça là, hop, tu fermes le clapet, et après tu la lances au milieu, tu vois, tu fais comme ça avec ta main là, hop, puis après tu laisses descendre, tu vois, tu laisses descendre dans le courant, puis tu mets des choses à coups avec ta main gauche comme ça, hop, comme ça, ça fait monter la teigne, hop, toi tu laisses descendre, moi toi j'ai pensé de mou, tu vas laisser un peu plus, hop, après tu recommences, tu vois, tu recommences comme ça, te balance là, hop, tu mets des choses à coup, comme ça la truite, toi, elle y aime bien ça, hop, bon après faut être patient, hein. Tu vas pas prendre 20 truites par le milieu, hein. C'est comment que ça se passe, hop, puis tu recommences comme ça, ça revient à mort d'un de ces quatre, là. Hop. Oh, you, ils sont encore accrochés l'autre coco. Ça devait être ça, sa technique spéciale qu'il disait tout à l'heure. Tu te démerdes, DJ. Oh, you, il s'est pété la gueule, l'autre. Ça va, DJ? Oh, you. Ouais, je vais aller l'aider quand même, parce que... Il a me gonflé, c'est bon. Ah, bouge pas, DJ, direct. Donc t'as branlé encore, allez viens là. Allez. Oh, il est bloqué ça, fais-moi voir ça. Pour laisser le rapala, il m'a coûté 15 balles la semaine dernière celui-là. Allez, pose-moi ça, je vais te décrocher là. Pose-moi ça. Oh. C'est qu'il est le fil, un joue là. Un joue, allez. Ha 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 ha!
attends, là, je l'ai sauvé, Vaidou. Arrête de te foutre de ma gueule, Vaidou. Tu rigoles comme une bécasse, lui. Je vais te foutre une rousse, tu vas comprendre. Je suis un bon écran, toi. Bon, Vaidou, l'autre cravelle. Pour se foutre de ma gueule, celui-là. Allez, je vais casser une croûte, ça va me faire du bien, tiens. Allez. Ah. Mais que je t'envoie pas, hein. Hey Didier, ramène-toi, c'est bon, je suis calmé. Tant mieux, parce que j'avais soif, hein. Tu sais bien que t'avais soif, allez, c'est toi là, Vaidou. C'est bon, je te dis, je suis calmé. Oh. Je t'ai coupé un bout de pain d'ailleurs. Ah, oh, merci. Je sens moins un canon par contre. Hein. Allez hop, un peu de jambon là. Allez. Je ne le fais pas. J'ai plein d'eau dans la boîte, Dieu. C'est ta faute, t'as Didier, t'es connerie là. Ça ne t'arrête jamais. Là. Ça rigole pas. Oh. Je leur mettrai tout à l'heure. Mais un d'ivoire, Kéké, tu crois que je suis un bon pêcheur? À ton avis, évidemment que non, t'es pas un bon pêcheur. T'as bien vu que la seule chose que t'as réussi à faire en 10 minutes, hein, c'est de t'accrocher dans la branche et me foutre le cul dans l'eau, non? Ah? Oh, je te jure, il y a des questions, lui. Mais du coup, vu que t'as rien pris, toi aussi t'es un mauvais pêcheur, non? Putain de là toi. Je t'en foutrais des mauvais pêcheurs, moi tu t'envoies pas. Hein. Je te garantis celui-là. Oh, adieu Didier. Moi, je me sens pas bien. Vu. Ça te dirait qu'on revienne la prochaine fois faire le tuto de pêche à la truite là? Ouais ouais, je referai voir mes techniques spéciales. Oh, arrête donc de dire des conneries Didier avec tes techniques spéciales là. Allez, ramène-moi là-bas là. Allez, ouais. Merci, c'est, je vais tout. Oh, oh, j'ai la tête qui tourne, Dieu. Moi, je vois des truites partout. Hein. Bon Didier, tu sais, hein, des fois je t'engueule, hein, mais je t'aime bien quand même. Mais essaye de faire des efforts parce que t'es pas une lumière, qui sait ça hein. Ah bah oui, mais moi j'aime bien les lucioles. Mais qu'est-ce que tu me racontes avec tes lucioles, toi? Allez, c'est bon, tu m'as gonflé. Allez, remets-moi dans le kangou là. Oh, j'en prends bien. Attends, attends, allez. Ta shortcut. Oh, attends, 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 range donc des panards, mon Dieu. C'est que t'as foutu ta botte. Mais ma botte, elle est là, c'est de ta faute là. Ah bah va me la chercher, Vaidou. Oh, oh Dieu. Oh quelle journée, on n'est pas aidé. Eh hey Didier, mind-toi, faut que je rentre chez la dragonne là. J'arrive, j'arrive. Elle va encore couiner, tu sais comment que ça se passe. Hein. Oh là 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 là. Oh je vois des truites partout. Ouais, mind-toi, Didier. T'as pas un canon pour moi, Didier? Y'a plus rien à voir, là, t'as tout vu. Oh, Didier, on est une merde. Oh, putain, puis il cale l'autre. Oh, t'arrêtes jamais, Didier. Allez, alors.